Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui je réponds à vos défis. Dans la vidéo iPhone 6S versus marteau, je vous avais demandé de me lancer des défis à réaliser toujours et encore avec la même protection de chez Rhinoshield, soit la Playproof qui prend l'arrière et prend les côtés avec une vitre de protection à l'avant, soit la Crash Guard qui est un bumper que vous apposez sur votre smartphone, iPhone mais également tous les autres téléphones. Une vitre arrière et une vitre avant apposée pour qu'ils puissent se rendre entre guillemets indestructibles. Vous avez été nombreux et nombreuses à me donner des défis à réaliser, vous les avez dans les commentaires de la vidéo, donc après à vous d'aller les checker. Et parmi tous ces défis, quelqu'un m'a posé la question, roule avec une voiture sur ton iPhone, d'où le titre de cette vidéo. Et donc tout simplement, moi je suis un fou, donc on va les réaliser. Donc vous savez qui j'ai rappelé? J'ai rappelé notre ami JB. Comment ça va? Super, nickel. Tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire? Hop là JB, on a l'iPhone. Cette fois-ci, on n'est pas à la plage, en fait, on est chez Monsieur Thibault. On va rouler, comme je l'ai dit, avec une voiture sur cet iPhone. Donc, simplement, il y a un petit conducteur qui va arriver. Je vais poser l'iPhone sous les pneus et on va s'amuser à rouler dessus. C'est parti. On vient tout simplement de rouler dessus. Alors il est dégueulasse complètement l'iPhone, mais il est totalement fonctionnel. Je pensais pas à ce point qu'il fonctionnerait. Donc Touch ID fonctionne toujours autant et 3D Touch également. Donc l'iPhone a résisté en fait au test quand il passe sous la roue des voitures. Donc c'est plutôt pas mal, surtout que ce genre de voiture, c'est pas une Twingo. Pas mal, merci. L'iPhone a résisté sous le poids d'une voiture. Alors pour information, la voiture utilisée fait approximativement 1,3 tonne, donc c'est dans la moyenne aujourd'hui des voitures qui existent dans le monde ou plutôt en France. Et donc tout simplement voilà, j'ai pris une voiture qui était dans la moyenne aujourd'hui, comme ça il n'y a pas de jaloux, c'est ni trop peu ni trop après, parce que j'ai hésité aussi avec un Hummer mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà, ça a résisté sous le poids d'une voiture et puis c'est plutôt pas mal. Deuxième défi que vous m'avez lancé, c'est de prendre l'iPhone et de le jeter depuis un étage. Donc tout simplement JB, vas-y, c'est parti. Bon, deuxième petit défi. L'iPhone est là, il vient de passer sous la voiture, il est encore une fois fonctionnel. Et là, on va jeter de la petite rambarde, à peu près, il y a, je crois, 3 à 4 mètres. Donc, il se doit d'être résistant, donc on va voir s'il est vraiment résistant. Allez. Wow. L'arrière, il n'y a rien. Et l'avant, il n'y a rien non plus. Hop là. Il fonctionne toujours et il n'est pas rayé. Swag. Moi, je suis encore un grand fou, je suis un malade, je suis un thug, comme on dit dans le sud. Là, j'ai changé de protection d'iPhone, mais c'est toujours le même iPhone, donc toujours encore une fois fonctionnel, comme je dis. Et on va encore une fois le faire tomber de la même hauteur que tout à l'heure. C'est parti. Hop là, on va voir ce que ça donne. Hop là. Bon, il a rien, j'ai l'impression qu'il a rien. L'écran fonctionne encore, Touch ID encore, 3D Touch. Encore, tout fonctionne, il est pareil, il est nickel. Je t'avais demandé de jeter l'iPhone qu'une seule fois, pas deux fois, donc bon, c'est plutôt cool comme initiative, mais par contre, t'auras pas d'augmentation, désolé. Non mais il se prend pour qui? Bref, l'iPhone, que ce soit avec la Playproof ou avec ce petit truc, il a bien résisté. Par contre, je pourrais quelque chose à dire, c'est que c'est la première fois que cet iPhone avec cette protection a été lancé, et elle a pris pas mal de gros chocs sur les protections, alors que c'était la première fois qu'elle tombait. Alors que celle-ci, le petit bumper, n'a pas pris grand choc, alors que lui, ça fait des dizaines de fois qu'il tombe. Donc je pense peut-être que c'est l'angle d'inclinaison sur lequel il est tombé qui a fait que ces chocs étaient plutôt puissants sur la protection en elle-même. Et enfin, troisième et dernier défi, c'est plutôt un défi que je vais me relancer, parce que dans la vidéo donc iPhone 6S versus marteau, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que j'ai tapé avec le marteau sur une table en plastique et que la table en plastique a absorbé les chocs. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour mettre court à toutes ces petites rumeurs de dire c'est un fake, je vais refaire ça, ou plutôt Monsieur JB va refaire ça. Donc JB, vas-y, prends le marteau et va taper. Bon, je reviens sur le défi du marteau parce que vous avez été nombreux, comme JB l'a dit, à dire oui, t'as tapé sur une table et tout, ça absorbe le choc. Donc là, on va refaire ça sur un petit muret en pierre. Toujours le petit marteau, l'iPhone qui est posé là, qui est, encore une fois, je le redis, fonctionnel. On le pose, on s'assoira parce qu'on est plus sympa quand on est assis et on va taper dessus directement. Allez, 1, 2, 3. Alors,
Est-ce qu'il a quelque chose? Pas l'air d'avoir quelque chose. Ça marche. Allez, on va en faire un dernier coup, on est des malades. Ouais, non, il a rien. Toujours rien. Ouais, donc il marche. Donc oui, il est quand même assez quand même incassable que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Merci, c'est bon, t'es en vacances. Allez, ciao. Ben voilà, le marteau est là, l'iPhone est là. On peut encore une fois taper dessus et il a rien. Il a rien. Il a rien comme ça au moins, il n'y a pas de jaloux et pas de dire c'est un fake. Bref. Bon voilà, je pense qu'on a un peu tout vu sur cette petite protection, que ce soit avec une voiture, que ce soit avec des seaux depuis un étage, ou que ce soit avec un hammer, ou plutôt un marteau en français. L'iPhone a bien résisté et c'est dû donc à la petite protection de chez RhinoShield et c'est plutôt pas mal franchement. Alors celle-ci coûte, si je me trompe pas, 25 euros ou 25 dollars, donc celle qui est la Playproof, qui prend l'arrière et les côtés avec des motifs qui existent. Et celle-ci coûte 40 euros ou dollars avec la vitre avant et la vitre arrière inclus, c'est un petit bundle. Alors certes, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, simplement peut-être que c'est l'un des meilleurs investissements que vous pourrez faire sur votre iPhone ou votre téléphone en général pour bien le protéger. Parce que combien de fois on est en soirée, je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé, prendre une photo, on se bouscule et l'iPhone ou le téléphone tombe et on se retrouve avec un téléphone un peu cabossé sur les côtés, ou alors qu'on le lance sur son lit et il rebondit vers le sol et il est un peu cabossé. Ça ne peut pas arriver avec ça. Parce qu'on peut même taper, vous l'avez vu, avec un marteau dessus et il a rien. Donc c'est plutôt pas mal, surtout qu'on peut même le lancer un peu partout et il n'a rien également, donc c'est plutôt pas mal. Bref, je vais m'arrêter là. J'aimerais que vous me donniez de nouveaux défis à réaliser en commentaire de la vidéo. Alors, non, pas sur ces protections-ci, parce que là on a largement fait le tour, ça servira à rien d'en faire plus. Mais sur d'autres défis de nouvelles envergures, sur de nouveaux produits, sur plein de nouvelles choses, lâchez-vous dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, surtout ces défis et les risques que j'ai pris quand même avec le marteau, avec les étages, avec la voiture et surtout les anciennes vidéos, je veux que vous m'explosiez le record, cette fois-ci, de pouces bleus qui est de 7000. S'il vous plaît, vous allez y arriver, je suis sûr et certain, même à 1001% que vous allez y arriver de battre les 7000 pouces bleus. C'est à vous de le faire. Top chrono. Bref, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver donc sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. De toute façon, vous connaissez la chanson. Allez, bye bye.